Bonjour à vous, bienvenue dans ce deuxième épisode des artisans de l'atelier du jeu vidéo. Aujourd'hui, eh bien, je fais un petit zoom sur le créateur Tikoche qui est très prolifique et qui nous propose pas mal de mini-jeux assez sympathiques. Donc je vous invite tout de suite à aller voir son code créateur pour les récupérer tout ça. C'est un des créateurs qui utilise énormément le nodon changer de jeu, ce qui permet en fait d'avoir des écrans de démarrage avant de lancer le jeu directement. Donc bien souvent, il va falloir récupérer plusieurs fichiers pour linker les uns avec les autres. Alors aujourd'hui, eh bien écoutez, je vais vous montrer Pook Machine, qui est une série inspirée par le célèbre Micro Machine, avec une vue qui ressemble plus à celle de Super Sprint, un vieux jeu d'arcade des années 80, où on dirige un véhicule vu de dessus. Ensuite, on ira faire un tour du côté de Pookware, qui est un hommage à WarioWare, donc une série de mini-jeux. Et on terminera avec Gyromite, qui est également une petite référence à un jeu NES. Voilà, il faut savoir que la plupart de ces jeux ont nécessité entre 5 et 15 heures de travail sur cet outil. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse place aux images de gameplay. C'est parti!